Bonjour, je m'appelle Cyril Dion, je suis auteur, réalisateur, je suis aussi cofondateur d'un mouvement qui s'appelle Colibri, avec Pierre Rabhi. Je fais cette petite vidéo pour vous donner rendez-vous le 2 octobre à 21h au Centre culturel René Char à Digne-les-Bains pour l'ouverture du festival de biodiversité Inventaire et la présentation en avant-première de mon nouveau film Après-demain que j'ai réalisé pour France 2 avec une journaliste qui s'appelle Laure Noilla. Vous avez la chance d'habiter une région magnifique, mais qui connaît, comme tout un tas d'autres régions, des problématiques écologiques graves, liées au réchauffement climatique, liées à la disparition d'un certain nombre d'espèces, animales et végétales, et donc la nécessité de préserver ces ressources naturelles, et particulièrement la ressource en eau, qui va être cruciale au XXIe siècle. On voit aujourd'hui des régions qui sont frappées de sécheresse, comme la Californie, comme la Syrie, avec des impacts parfois géopolitiques, comme en Syrie, parfois économiques, ou parfois simplement dans la capacité de population à avoir accès à cette ressource et à survivre. On voit aussi que des phénomènes climatiques extrêmes peuvent rendre l'eau dévastatrice sur un certain nombre de territoires. On l'a vu ces dernières semaines avec les inondations. Donc on a besoin aujourd'hui de stimuler la créativité, de stimuler la mise en action d'un maximum de citoyens, d'un maximum d'élus, d'un maximum d'entrepreneurs. Et j'espère que ce festival va y participer. Voilà, donc rendez-vous le 2 octobre. J'espère que nous serons nombreux et que nous aurons l'occasion de parler de tous ces sujets.